Après une Saint-Patrick célébrée par message vidéo à cause de l'épidémie de Covid-19, le prince William et Kate Middleton ont pu cette année renouer avec la tradition en ce jour de fête nationale irlandaise. Le duc et la duchesse de Cambridge se sont rendus au Mons Barrack à Aldershot pour y saluer le 1st Battalion Irish Guards, dans sa base sud de l'Angleterre. Pour l'occasion, Kate Middleton était chargée d'une mission qu'elle avait déjà assurée à plusieurs reprises. La femme du prince William, actuel colonel royal des Irish Guards, devait en effet remettre les bouquets de shamrock, le trèfle, symbole de l'Irlande, aux officiers, qui doivent ensuite les distribuer dans leur rang. Une tradition en 1901 par la reine Alexandra, l'arrière-grand-mère de la reine Elisabeth II. Une mission que la duchesse de Cambridge a remplie sans aucun problème. Une fois le défilé militaire terminé, le couple princier a rencontré les membres du régiment et ont également accepté de poser pour quelques photos souvenirs avec ceux-ci. Kate Middleton, toute de vert vêtu comme à son habitude pour cet événement, la maman de George, Louis et Charlotte s'est affichée en total look vert, couleur traditionnelle de l'Irlande. Elle avait ainsi opté pour un magnifique manteau long signé Laura Green London. Un modèle ceinturé, à grand col pointu, orné de boutons ronds en cuir et d'épaulettes style militaire. Le tout accompagné d'un petit chapeau tambourin lock écho et d'escarpins, de la même couleur que son manteau. Kate Middleton verte de la tête aux pieds. Loading widget.